Ouais, c'est plutôt chargé comme début de journée. Ouais, encore de la grisaille, Géraldine. On a des nuages, mais ça va se dégager. Bon. Puis là, peu de villes ont aujourd'hui de l'instabilité. Il y en a encore par endroits, des petits nuages un peu plus sombres, menaçants, des petits 30-40 % de risque d'instabilité. Ça se peut que ça tombe pas, puis si ça tombe, bien, ça tombera de façon très isolée et de très courte durée également. Certaines régions un peu plus au sud, je pense à la région de l'Estrie jusqu'à la Beauce, Sherbrooke, Saint-Georges, entre autres, vous avez aujourd'hui des 60 % de probabilité d'averse. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on prévoit pour Sept-Îles au nord, donc du fleuve Saint-Laurent. Bon, on le voit pas à l'écran, petite erreur ici, mais gouttelettes d'eau possibles encore par chez vous, ainsi que pour la péninsule gaspésienne à Gaspé. Ça devrait cesser d'ailleurs dès la mi-journée. Ailleurs au Québec, on le voit, c'est une belle alternance soleil-nuage qui nous attend, même un ciel complètement dégagé pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On gagne quelques degrés si on compare à l'après-midi hier jusqu'à 24 au thermomètre et des ressentis aussi. Secteur sud et à l'ouest de la province, 26 et même 27. Grand Montréal, région métropolitaine ainsi que la région de l'Outaouais va faire chaud cet après-midi. C'est juste qu'on a encore de bons passages nuageux. Mais regardez ce qui nous attend à plus long terme. Je pense vraiment que ça va vous faire plaisir. On garde encore les nuages. C'est vrai, jusqu'à demain, certaines villes encore auront des petits pourcentages d'instabilité, 30, 40 %. Mais là, on voit une belle séquence de beau temps derrière tout ça. Samedi, dimanche, lundi, hausse des températures. On voit jusqu'à 29 degrés. La semaine prochaine va être chaude, estivale. Et on va ajouter, en plus du facteur humidex, des ressentis, donc 31, 32, 33, 34 même. Bref, soleil aussi. Pas de système dépressionnaire jusqu'à présent à l'horizon. Un anticyclone qui s'installe. Puis on l'invite à rester plus longtemps là, par chez nous. L'anticyclone qui repousse les nuages et les systèmes dépressionnaires. On voit, c'est encore loin le mardi prochain pour Québec, une instabilité à 60 %. Ça se peut que ça change d'ici là quand même. Bon, demain encore des petites gouttelettes d'eau possibles. Un ciel en alternance soleil-nuage ou généralement nuageux demain, vendredi. Chose certaine, c'est qu'on gagne toujours des degrés. Puis ce week-end, bien, c'est du beau temps qu'on prévoit, du soleil et aussi une hausse des températures. Vive les anticyclones! Je suis allé dans mon T-shirt. Emmenez-en des anticyclones. On en veut et on veut de la chaleur, mais c'est le plus beau est à venir quand même. Le plus beau est à venir, voilà. Merci. Merci, à tantôt. À tantôt.